Ah, Michel! Ah, Pierre! Et bonne surprise, ça va, Michel? Mais bien, et toi-même? Ah, bah écoute, ça va, la nuit était un peu chaude. Et oui, puis là, ça chante, hein? Ah, bah c'est les cigales, hein? Mais comme disait mon grand-père, il en veut mieux 6 que 7. Bon, écoute, hier, on a eu le conseil syndical, j'ai fait voter la résolution, on va le couper, le palier. Hein. Ah, d'accord. Oui. Ah, c'est décidé. Oh, non, on coupe. Bon. C'est plusieurs fois que j'ai essayé de dire à Bertrand d'arrêter son yoga ashtangal, il n'entend pas. Alors, il prévoit 5 ans. Ah mais les lagers passent demain. Demain? Ah, ouais, demain. Ah oui, ah, ça va aller vite. C'est fini, donc là, voilà, va falloir le lui dire. Ça va être dur, hein, parce qu'il est quand même habité par sa pratique de gymnastique, là. Écoute, il est habité par sa pratique, mais il se trouve que moi j'habite ici aussi. Et si tu veux, c'est bien beau cette danse voodoo là autour du palmier, mais ça peut pas durer. Non, mais on va lui expliquer, on va comprendre. Écoute, avant de nous installer, ça serait, il va venir, mais. Non, pas. C'est vrai qu'il est beau ce palmier. Moi j'aime bien les palmiers. Hein. D'ailleurs, j'ai une cousine qui habite en Guadeloupe. Voilà, c'est beau. Beaucoup de palmiers là-bas. Ah oui? Ah oui, oui. À un moment donné, où tu vois, on peut pas. S'il est malade, il est malade. Donc on va pas. D'accord. On va pas tergiverser. Hein. Pas tergiverser ou ergoter, tourner autour du pot pendant des milliers et des cents. Ça ne nous ressemble pas. Michel. Salut. Ah ben il. Ouais, il arrive. On va lui dire. Salut Pierre. Salut Bertrand. Tu vas bien à fond. Et ça va. Bon Bertrand, ouais. On a quelque chose à te dire. Mmh. On a fait voter la résolution pour faire couper le palmier. Il y a un élagueur qui passe demain matin, c'est terminé. Quoi? Ouais. Quoi? Il est malade cet arbre, là. Ah non, il n'est pas malade, il va très très bien. Tous les matins, je vais faire mon yoga, Ashtanga. Oui, et je vous assure qu'il va super bien. Précisément, c'est un peu ce qui gêne tout le monde, là, hein, ta gym, là. Ma gym? Mais le yoga. Yoga. Ça fait plusieurs fois que je t'explique, Bertrand, que c'est pas possible à l'entrée de la résidence. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de couper. Tu n'entends pas, hein? Plusieurs fois je t'ai dit. J'ai essayé d'être compréhensif, j'ai essayé d'être sympa. Tu n'en fais qu'à ta tête, on coupe l'arbre. Ton yoga, ton gars, tu iras le faire chez toi. Voilà. On pouvait pas faire ça. Si. Bah, c'est fait, non. En fait. Une majorité des deux tiers, c'est voté. C'est voté. Je vais monter une majorité alternative. C'était pas l'opposition. C'est possible l'opposition? C'est possible ou pas? C'est possible. Tu seras en minorité, Bertrand. Enfin, ça, tu le sais bien. Hein. Il suffit pas d'avoir 18 ans pour avoir une majorité. Non, mais Bertrand, c'est vrai. Blague à part. Il est beau, ce palmier. Mais c'est pas possible, ce que tu fais, là. Ouais. Donc, plus de palmier, plus de danse Ashtanga. Ça devient un rond-point, il y aura de la pelouse. Très propre. Ce sera très propre, net. Non, il est central, ce palmier. Il donne énergie à toute la copropriété. C'est lui qui... transmet l'énergie. Ça, vous le sentez pas, vous? Moi, je le sens. Il y a plein d'arbres, tu pourras en choisir un pour ta pratique. Moi, ce que je sens, c'est l'odeur de la sueur. Hein, à chaque fois, tu restes des heures à faire tes mouvements. On en profite tous, on n'en veut pas. Donc, ça perturbe, ça crée une perturbation. C'est pas l'image de la résidence. Combien ça coûte, l'entretien? 783 euros mensuels. Oui, c'est ça. Ah ouais. Hors taxe. Oh, ouais. Et la piscine, ça coûte combien? Si on est obligé de changer l'eau? 1024, il me semble. 1024 euros? C'est contrat de maintenance, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois. 1024 euros. Ouais. Et donc? Si on change l'eau de la piscine 3 fois par semaine, ça fait combien? 3 fois, ça fait beaucoup. Ça fait oui. 3072. 3072, ouais. 783 euros mensuels, 3072 euros par semaine. À vous de choisir. Il n'y a pas à choisir, non, on n'a pas à choisir. Pourquoi n'y a pas à choisir? On ne va pas vider l'eau de la piscine trois fois par semaine. L'eau est propre. Donc, je ne vois pas pourquoi on fait ça. Bon, on a compris, Bertrand, l'idée. C'est dur en affaire, hein, Bertrand? Oui. J'y retourne. Paraît pas comme ça. Hein. Ouais, il a négocié là. On garde le palmier? Bon, on va le garder. Bon, j'appelle les lagueurs. Ouais, on annule. Ouais.